Les entreprises habilitées à payer l'impôt sur les sociétés au Cameroun sont les entreprises qui relèvent du REEL ou du régime du simplifié. Notons ici que toutes les entreprises qui relèvent de l'impôt libératoire ne sont pas habilitées à payer l'impôt sur les sociétés. À titre d'entreprise habilitée à payer l'impôt sur les sociétés, nous avons les sociétés par action, c'est-à-dire les sociétés anonymes, les SA, les SARL, les sociétés à nom collectif, les sociétés par action simplifiées et les sociétés de personnes. Nous avons aussi les sociétés civiles, nous avons les fonds de placement, nous avons même les entreprises publiques. Nous avions aussi à côté de celles-là, même la CNPS, mais cette fois-ci pas pour les cotisations sociales. Nous avons aussi enfin les entreprises qui se disent d'être des organisations, des ONG, mais qui fonctionnent à but lucratif. Au Cameroun, nous avons trois taux d'impôt sur les sociétés. Le taux de 33% qui est applicable aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards. Le deuxième taux est celui de 30,8% qui est applicable aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 3 milliards de francs CFA. Et le dernier taux, qui est celui de 25%, est applicable aux entreprises cotées en bourse. Ainsi, voilà donc de façon ramassée les trois taux d'impôt sur les sociétés en vigueur au Cameroun. Le délai de déclaration de l'impôt sur les sociétés au Cameroun est fixé au 15 du mois N, c'est-à-dire 15 du mois suivant. Si nous allons payer l'impôt du mois de septembre, nous avons jusqu'au 15 octobre pour le faire. Comme moyen de paiement, nous pouvons payer via Mobile Money si ce montant est inférieur à 500 000. Nous pouvons aussi payer par voie bancaire. Cette fois-ci, il faut bien s'assurer qu'on a un compte logé dans cette banque. Dans cette hypothèse, on peut faire soit un virement de compte par compte. Si on n'a pas un compte dans cette institution bancaire, on peut simplement faire un versement au compte du Trésor.